plus en fait l'énergie que lui va vous envoyer un vecteur comme ça, plus vous allez en fait pouvoir le mettre dans la terre. Et c'est pas vous qui êtes en train de le pousser alors. Il pousse la terre. Il peut toujours s'amuser. Bon, sauf si c'est bien sûr, mais c'est pas le cas, Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris ne fait pas des pompes. Chuck Norris soulève la terre. D'accord. D'accord. Mais pour des pas Chuck Norris comme nous, voilà. Mais par contre, si là c'est bloqué, là je vais travailler sur ma force. Et après, vous avez le même principe. Mais c'est difficile, hein, c'est vraiment difficile. Et après, c'est le même principe quand on fait pousser des mains. Quand, tu sais, celui-là. Enfin, là, quand je prends avec François, ben François, il est comme ça. Puis toi, tu es en face. Oh, puis il est complètement relâché. Mais c'est sa structure qui tient. Et au départ, quand l'autre pousse, on va essayer de... Vas-y, pousse. On va essayer de... On pousse. Et c'est pas ça. C'est en fait plus l'autre pousse, c'est... Vas-y, pousse. Pousse. Vas-y, pousse. C'est juste... Je dois relâcher de plus en plus. Vous voyez, même plus, je lâche. C'est pas la force que je suis en train de mettre, je suis juste en train de lâcher. Alors qu'au départ, on a tendance à l'autre, il pousse. Et je veux pousser. Parce que je veux résister. C'est pas ça. C'est comment est-ce qu'on arrive dans la structure. Et je lâche. Et je lâche. Et c'est comme ça que Tai Chi, petit à petit, plus vous allez travailler, plus ça va relâcher. Et de plus en plus profondément, ça va relâcher. C'est aussi des muscles qui se forment. Oui. On n'y arrive pas. Mais c'est justement, c'est relâcher, c'est pas effondrer. Oh, oui. Donc on commence à voir la structure qui est structurée, qui est relâchée en même temps. Si on pouvait parler de tout ça, c'est ça. Je voudrais demander, tu sais comment fait Marie? Attends, là, pendant que Marie-Françoise fait ça, il faut que je me repose un tout petit peu. Ah, il est lourd, hein? Bon, ben, ça pèse. C'est du muscle? Ça pèse, c'est dit. Non, c'est du chi. Du chi au chocolat, ah, et du... Vas-y. Oui, ça t'avait un comme ça. On fait un mini mapou. Oui. Donc tu descends et en fait tu fais un cercle en définitive. Ah, c'est toujours des cercles. Ah, oui. Oui, mais il y en a qui ne le font pas, c'est pour ça. Mais tant que c'est juste pour lancer ça. Non, mais c'est ça. Mais je voulais vous Je les ai dans mon trésor à la maison. Hein. Et puis mon avocat. On va le voir sur le film. Non, mais je ne me trompais pas. Il faut faire un rond. Oui, mais regardez, c'est ça. C'est là, là. Et où ça t'aide à tourner aussi, de toute façon. Là, regardez. À nouveau, regardez, c'est mon corps. Voilà, oui. C'est pour ça, regardez. Regardez cette main-là. Elle est aussi en train de faire ça. Je ne suis pas en train de faire ça. Là, si je fais ça, ma structure, elle ne tient plus. Là, j'ai cassé la structure. Donc, je suis là. En fait, c'est... Regardez ce que je suis en train de faire là-bas. Je suis là. Je suis juste en train de faire... Là, c'est un... C'est ça. Donc je suis là. Regardez là. Voilà. Ok. Et si je suis là, là. Ah oui, en fait, c'est juste. C'est ce que vous avez dit. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Oui, et regardez, voilà. C'est même, c'est ton regard. Donc là, hein. Oui, c'est là. Oui. D'accord, pas vous. C'est ça. Quand on a fait pas quoi. Hein, chaque fois, tu fais le pas quoi, là, hein. Hein, toc, toc, toc. Et pour tourner. Et donc à chaque fois que vous avez ça en application, vous pensez. Ah, c'est pour faire une croche. Non, pour fixer le pied de la. Et pour nous, regardez si j'exagère à nouveau le mouvement. Hein. Donc, j'exagère, je suis là. Hein. C'est mieux, hein. Si j'exagère, c'est ça. C'est comme un tigre qui va bondir.
Donc je suis là, je suis là. Un. Oh. Bah. Sauf que là, on a plus de soin. Il ressort. Ressort, mais il vrille. J'ai vrillé. C'est mieux bondir. Il y a une vrille. C'est un peu comme dans 24. Là. 1. Un coup de poing. 1. Bam. C'est ça, hein? Ça va? Ben, oui, c'est bien. Je vous ai dit la forme 24, tiens, je vous enverrai la vidéo à nouveau. Vous pouvez mettre ce truc-là. Faites la forme 24, là. Ballon, j'exagère. Oh. Là, je vais faire un demi-pas, ça serait mieux là. Et en même temps, c'est pour ça qu'on fait au début. Enfin, pourquoi je fais ça? Ça. Voilà. Quelque chose monte, quelque chose descend. Mais là, ça descend. Si je le montre, comme celui-là. Sauf qu'après, vous ne le montrez pas de l'extérieur. Mais l'extérieur, vous voyez ça. Mais à l'intérieur, l'énergie, elle est en train de faire ça. C'est pour ça, c'est très important celui-là, en fait. C'est pour comprendre l'énergie qui monte et qui descend. Et peut-être au départ, dans la forme, on ne peut pas faire les deux en même temps. Mais au moins, vous avez ça monte et ça descend. Et après, petit à petit, si vous travaillez beaucoup, vous sentez ça monte et ça descend en même temps. Après, l'autre. Pourquoi celui-là? Parce que ça, c'est... Ça monte et ça descend, mais... Pas une loutiane, hein, quand je vous ai montré, regardez, si je fais que le buste. Regardez, là, c'est que le buste. Maintenant, je mets le buste, je ne bouge pas vraiment mes bras, mais je mets la respiration. Pan. J'ai pas rajouté des mouvements, j'ai juste fait respirer. Donc il n'y a pas que le buste qui est en train de bouger, il y a. Mauricio, ça moi je ne sais pas faire, hein, mais il y avait un mec qui arrive bien à faire ça. Il donne coup de poing dans le ventre. Il vous donne. J'absorbe. Absorbe. J'absorbe. Vous pouvez le faire partout. Le coup de poing, il arrive ici. Absorbe. Absorbe. Comment le corps absorbe. Prends. Même karaté, ce que tu me faisais, ça. Ça n'existe pas dans karaté. Non, karaté, ça serait. Vas-y, coup de poing. Karaté, c'est ça. Non, mais je rigole pas, mais c'est ça. Il y a pas cette idée de. Il donne. De. Je prends. Ouais. Et même là, j'utilise en fait le ventre. Ouais. Alors là, si vous mettez rien que le ventre, même, et pom, ça peut faire mal au coude. Et si jamais il donne, et vous faites juste ça, et là, là le coude il va prendre. Ça, c'est le corps qui. Enfin, moi, je ne sais pas bien le faire, mais l'idée, c'est ça. C'est que tout le corps, il devient. Et après, même, vous allez venir. Tous les mouvements après. Il vient saisir par derrière.
Venez. Comme ça. Oui. Là, il y a des mouvements, donc au moment où il va venir faire ça, regardez. Au départ, vous faites un truc comme ça, ça ne va rien faire du tout. Et quand vous êtes... Est-ce qu'il y a... Là, les frappes, hein, vous avez dans pas quoi aussi. D'accord. C'est ça? Vas-y. C'est le... Et vous dites... Toutes les techniques, c'est l'ensemble du corps qui va donner. Et c'est ça qui va faire que quand je donne, mais ça va revenir. Dans le karaté, vous voyez, quand vous travaillez karaté, vous travaillez. Et à chaque fois, vous fatiguez. Je donne. Chaque fois, vous donnez. T'as dit non. Je frappe, je reprends l'énergie. Ouais. Là, elle est bien là. C'est donné, mais il y a un cycle de l'énergie. En karaté, il n'y a pas de cycle. Là, j'ai pas ça. Tu vois. Tai chi. C'est ce que j'allais dire. Bravo quand même. Voilà, ouais. Parce que là, on va être obligé de la faire. Mais voilà, c'est des idées.